okay, why'd you run away? Can we not talk about that? Ce semestre a été d'aider Archie à monter son meuble IKEA et c'était vraiment super. J'ai adoré. Le semestre était vraiment mouvementé parce que mon emploi du temps changeait chaque semaine, mais heureusement j'avais cours de gravure qui restait toujours fixe, donc ça me permettait d'avoir une petite routine quand même, et j'ai beaucoup aimé ça. Cette année, j'ai aussi essayé de participer un petit peu à la mine, l'asso étudiante de l'école, et j'ai servi des bières, mais comme je savais pas compter, bah, c'était un peu dur, donc je fais des croquis. Si j'aime autant Strasbourg, c'est 100% grâce à ses quais, et c'est mon inspiration numéro 1 pour mes poèmes. J'ai aussi essayé d'apprendre à crocheter une serrure, parce que je me suis retrouvée bloquée en dehors de chez moi, et j'avais pas envie de payer 80 balles de serrurier, mais j'ai raté. Pas longtemps après, on a eu un super workshop avec Sabrina Calvo. On a travaillé sur le thème des Euménides et des Érinies. C'est vraiment super intéressant et c'était des très beaux moments à passer ensemble. Les cœurs, c'est le signe de ton ange qui te dit que tout va bien finalement. Il faut que tu crois en toi et que tu es sur la bonne route. Donc même si tu as des peines, des choses comme ça, c'est pour te soutenir. Voilà. Ça, okay. Ensuite, j'ai participé à un workshop vidéo dans lequel on a appris les bases d'utilisation des logiciels et comment se servir du matériel. Ok, on va où? Je sais pas. Mais on voulait aussi jouer avec la rapidité parce que le syndicat. On a aussi appris à se mettre sur un fond vert, enfin, on a appris des techniques de montage quoi, et c'était très intéressant à faire. Ce semestre, je me suis beaucoup incrustée en hors format et j'ai participé à une expo champi. En parallèle, je continuais comme Émilie, donc je continuais avec mes petits cours de gravure et puis on a eu aussi des cours de modèle vivant et plein de plateformes intéressantes. This is my time, once again. Ouais, bon, je pense que je vais mettre ça parce que...
Il commençait à faire super froid et bientôt le marché de Noël est arrivé. Pendant qu'on essayait de vendre des trucs, moi je cousais mon énorme bonhomme géant de 2 mètres qui allait me servir à ma performance pour le solstice hiver de hors format. Il y avait Margot à côté de moi et elle faisait du tricot, c'était très sympa. Et là c'est moi avec mon énorme bonhomme géant de 2 mètres. Qui est? Écoutez, c'est tout simple. Mot égale syllabe, syllabe égale rythme. Mot c'est égale pas syllabe égale rythme. Quand on dit que ça rend pas bien et du coup il y a un mauvais rythme, c'est que ça vient des mots, mon frère. C'est juste toi qui poses les mots avec un certain rythme et tu le fais mal. Coucou Edna, bah c'est papa. Bon anniversaire. À bientôt. C'est super, bah voilà, 20 ans, qu'est-ce que tu veux de plus hein? On sera très content de t'accueillir très prochainement à la maison. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Quand je suis rentrée des vacances de Noël, on a eu envie de gagner de l'argent et on s'est dit que performer dans la rue ce serait une bonne idée. Donc Orion et moi on a pris des planches et on a commencé à dessiner ou écrire dessus et à chanter. Like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel and sat in the back booth by the... C'est un peu métaphorique, tu vois, t'es en train presque de te rattraper dans ton saut. J'ai vu quand t'es comme ça. Après cette période, c'était l'enfer parce que c'était vraiment le rush pour les bilans. J'avais trop de choses à faire et pas du tout le temps de les faire. Mais j'ai quand même pris le temps de tester de nouvelles choses comme filmer la performance de Lou. Washed up upon the river, suck
on the honey of the Tennessee, where we were asleep in the south sunshine. I smile at you and you to me, and in the dark I see the moon shine in your eyes. We were strong. No such thing. I looked at you.